Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I gladly bow my knee. To worship you alone. A jamais tu seras. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour. Merci, merci à la France, merci à la Belgique, merci à l'Europe, merci à l'Allemagne, merci au Canada, aux États-Unis, merci à tous ceux qui ont assisté à mon programme en France, à Paris, ceux qui ont été du côté de Lille, à CCR, c'est mon frère jumeau, mon frère bien-aimé. L'évangéliste apôtre J.P. Makanzo. Il faut dire que je ne vais pas passer une journée sans lui parler. Tellement mon cœur est attaché à son cœur. Que Dieu le bénisse. Merci pour l'accueil qu'il m'a offert. Merci à son épouse. Merci pour la grâce que cette femme porte. Maman, je te dis merci et je t'aime beaucoup, ma prophétesse personnelle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons passé un moment extraordinaire à Lille et ça a été très fort, mes amis. Fort en émotion. Et je bénis Dieu pour cela. Il est fidèle, notre Dieu. Et je bénis aussi le Seigneur pour Papa Tony Silassi et Maman Silassi et qui m'ont reçu en Belgique à ADV. Merci à tous les chrétiens d'ADV, à tous ceux qui se sont déplacés pour venir à ADV. Et nous avons passé un moment très fort là-bas, très puissant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux dire particulièrement merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux. Il y a eu Naosi Miranda qui dit le teint de Mbeng. Oh, le teint de Mbeng. D'accord. Je vous ai vu. Welcome back. Merci. Merci pour l'accueil à l'aéroport. Hein. C'était extraordinaire. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour m'accueillir, c'était trop fort. J'étais marqué. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cet amour. C'est extraordinaire, mes amis. Donc, je suis au Cameroun déjà. Et je suis rentré au pays. Voilà. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Et je voudrais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui se sont manifestés en Europe. Votre amour m'a honoré. Votre passion pour Dieu, pour le ministère que le Seigneur m'a donné, m'a beaucoup honoré. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes comme ça. Que Dieu vous bénisse. C'est extraordinaire. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont voyagé de leur pays pour m'assister. Il y en a qui sont venus à Paris, à Lille et en Belgique, à Bruxelles. Il y en a qui ont fait toutes ces villes. Ils ont été présents. Waouh, waouh, quelle passion pour Christ. Donc, je serai là par la grâce de Dieu le 31 décembre. On va passer le réveillon ensemble. Comme on a dit, c'est à la lune d'or. La salle appelée la lune d'or. La lune d'or. Donc, il faudra être présent et Dieu vous bénira certainement. T'appelles la lune d'or. Donc, je pense que c'est 20 avenue des courtes peluches ou des courtes peluches, quelque chose comme ça. Je vais voir. Dans les adresses en bain. Vous savez, quand je suis plus en bain. Je suis un bain, m'a quitté. Que Dieu bénisse la France, la Belgique, tous ceux qui ont été présents. Le 31 décembre, ça sera la folie, mes amis. Alors, je fais ce direct pour dire merci. Et surtout, je viens de recevoir une annonce qui m'a brisé le cœur. Papa, on vous attend au Burkina Faso. Ah non, non. Maintenant, on est en bain. C'est du côté d'un bain. Burkina Faso, là, on parle plutôt. L'Europe a aussi besoin. L'Europe a besoin. L'Europe a besoin de Jésus. Ceux qui me suivent sur TikTok le savent. L'Europe a besoin de Jésus. Et Dieu nous a bénis.
Nous avons été bénis en Europe, vous le savez. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui se prépare pour le 31 décembre. Dieu se manifestera puissamment. Donc, j'ai appris que pendant que j'ai fait le programme à Paris, la nuit de prière, il y a les gens qui étaient dehors. Il y a les gens qui étaient dehors. Il y a un groupe de personnes qui demandaient de l'argent aux gens pour entrer dans la salle. Même le dimanche matin à la conférence d'impartition, il y a un groupe d'arnaqueurs. Il y a un groupe d'arnaqueurs qui étaient dehors, qui demandaient l'argent aux gens en mon nom. Et ils prenaient de l'argent aux gens. Et beaucoup de personnes ont pris, ont donné de leur argent. Beaucoup se sont fait arnaquer. Beaucoup se sont fait arnaquer. Donc, mes amis, nous devons être vigilants. Je viens d'apprendre la nouvelle là maintenant. Beaucoup de personnes, pendant la nuit de prière, sont entrées et ont pris de l'argent aux gens. Prennent l'argent dehors aux gens. Et même pour les réceptions que j'ai organisées, beaucoup, il paraît qu'il y a un groupe de personnes qui prenaient de l'argent aux gens, juste des milliers, 1000 euros, 500 euros, 100 euros, pour être reçus. Or, soyons vigilants, mes amis. J'ai annoncé clairement sur ma page que je recevais les gens gratuitement. Personne n'a payé les réceptions. J'ai reçu gratuitement les gens. Personne n'a payé. Que Dieu soit juge. Toute personne qui s'est retrouvée dans cette œuvre maléfique, qui ne profite pas au royaume de Christ, que la malédiction soit sur vous, au nom souverain de Jésus. Que la malédiction soit sur vous. Que cette personne ou ces personnes soient anathème dans le nom puissant de Jésus. Voilà, la bouche de l'oracle a parlé. J'ai bien dit que je recevais les gens gratuitement. Je l'ai dit. La nuit de prière, ce n'était pas une entrée payante, c'était gratuit. Comme le 31 décembre, on ne paye rien. Le 31 décembre, c'est ouvert à tout le monde. Lorsque vous arrivez, quelqu'un vous dit qu'il vous faut payer quelque chose avant d'entrer, alors cette personne-là, c'est un arnaqueur. Et j'ai dit que des mouchoirs ou un seront gratuitement distribués à tout le monde. Les mouchoirs ou un seront distribués gratuitement à tout le monde. S'il vous plaît, écoutez-nous et soyez sages et soyez attentifs. Si le 31 décembre, vous arrivez, quelqu'un vous demande l'argent, dites-lui que le prophète Carlo Ferdinand nous a annoncé dans sa page qu'il ne demandait rien à personne. Rien à personne, mes amis. Et les gens font ça pour nous salir, pour nous saboter. Le dimanche, c'était la conférence des partenaires. Ça, j'ai annoncé, ça c'était pour les partenaires, ceux qui soutiennent financièrement le ministère. Mais on m'a appelé qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils n'ont pas 5 francs, mais ils veulent entrer. J'ai dit, laissez-les entrer. Laissez-les entrer. Pour que personne ne dise que non, on est allé, quoi que j'avais annoncé, que c'est pour les partenaires, pour ceux qui nous soutiennent financièrement. On a laissé entrer ceux qui n'avaient pas de soutien financier. Pourquoi? Pour que l'évangile de Christ ne soit pas un scandale pour personne. Papa, on attend de la République centrafricaine. Envoyez le billet d'avion. Vous envoyez le billet d'avion et puis vous payez aussi l'hôtel. Et je viens. Il n'y a pas de problème. Donc, soyons attentifs, mes amis. Il y a un groupe de bandits, de malfrats, des gens mal intentionnés qui viennent en mon nom. Mais déjà, il y a de faux profils en mon nom. Il y a tellement de faux profils au nom du prophète Ferdinand et Canet. Soyez prudents. Soyez vigilants. Soyez prudents. Il y a des ennemis, des loups qui se glissent parmi nous. Et je dis encore, nous avons les conférences des partenaires pour ceux qui soutiennent le financement du ministère. Ils sont un soutien financier pour le ministère. Nous annonçons que c'est pour les partenaires. On annonce ça. Là, ce n'est pas un culte de l'église. Là, c'est un moment de rencontre avec les partenaires. C'est ce qu'on appelle les Joseph d'Arimathée. Les gens doivent comprendre cela. Ces gens qui nous bénissent, qui soutiennent le ministère pour rendre capable, possible, des voyages en Europe, des missions, ça coûte cher, mes amis. C'est à cause de ce qu'il y a un homme ou une femme qui a décidé de dire, moi, je vais enlever l'argent, je vais donner. Je donne mes 10 euros, si je donne ça, mes 100 euros, je donne pour bénir l'œuvre de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse aller partout. Les voyages missionnaires, ça coûte cher.
Payer les salles, c'est des millions, mes amis. C'est des millions de francs CFA. Donc, voyez. Donc, c'est pour dire quoi? Soyons vigilants. Quand on dit qu'il y a une conférence, c'est pour les partenaires financiers, pour les donateurs, pour le ministère. Il faut aussi comprendre ça. Quand c'est aussi des cultes qui sont ouverts à tout le monde, à l'église, il faut aussi comprendre ça. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame ou bien il n'y ait pas de mauvaise interprétation après. Vous voyez. Donc, le 31 décembre, c'est gratuit. Les mouchoirs ou un seront gratuitement distribués à tous ceux qui seront présents. N'allez pas après raconter que le prophète Kane Ferdinand vend les mouchoirs. Si vous entendez quelqu'un vend les mouchoirs là-bas, c'est que c'est faux, c'est un imposteur. C'est un méchant. Il veut salir notre image. Rien ne sera vendu. Rien ne sera vendu. Même l'huile de faveur. Même l'huile de faveur, pendant la nuit de prière, je n'ai pas vendu l'huile de faveur. Au contraire, on a donné l'huile de faveur gratuitement à tous nos partenaires, à nos partenaires. Ouais. Donc moi, je pense que c'est un peu cela. Il y a des gens qui soutiennent le ministère. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui se sont démarquées financièrement. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez même pas imaginer l'acte que vous portez à l'endroit du Seigneur Jésus et de l'Évangile. C'est une bénédiction extraordinaire qui portera des fruits pour vous et vos enfants jusqu'à la millième génération. Je vous bénis au nom souverain de Jésus. Vous êtes bénis. La malédiction ne sera pas votre partage. Le manquement ne sera pas votre partage. La mort précoce ne sera pas votre partage au nom puissant et souverain de Jésus. Et sur Facebook, méfiez-vous des profils et Kane Ferdinand qui demandent l'argent. Je ne fais pas ça, mes amis. On ne fait pas ça. Il y a des gens à qui on a demandé l'argent pour lui de faveur et tout cela, qui ont même appelé Papa Tony Silassi pour lui dire que non, il faut faire attention au prophète là parce qu'il me vendait l'huile. Sur internet, il m'a vendu l'huile, il m'a vendu le mouchoir, il m'a vendu ceci. Mais j'ai dit à Papa Tony que Dieu nous a assez bénis pour aller s'asseoir et vendre des mouchoirs aux gens bien sur internet et chercher d'arnaquer les gens. Les gens ne sont pas intelligents. Il y a quand même des gens que quand vous les voyez, même si on ne vous dit rien, vous savez que ce n'est pas des mendiants, c'est des personnes que Dieu a bénies. Je me souviens, je voyageais un jour, il y a un douanier qui m'a, c'était un douanier ou un policier, qui m'a manqué de respect, malgré qu'il avait le dossier de la voiture. Donc c'était un douanier, il a pris ma voiture, il voulait amener la voiture en fourrière, arrêter la voiture. J'ai essayé de parler, il dit non, j'ai donné le dossier, il a vu. Il a traîné ma voiture jusqu'à la direction des douanes. On est arrivé à la direction des douanes. Je me suis un peu écarté, j'ai appelé, j'ai passé un coup de fil. Il faut faire attention. Dans cette vie, il ne faut pas chercher à abuser du pouvoir que Dieu nous a donné. Il ne savait pas que, je ne sais même pas comment je vais placer le mot-ci, que l'une des plus grandes autorités de la douane camerounaise était mon fils spirituel, était mon enfant spirituel. Je priais pour lui. Lui, il était un simple douanier, il m'a manqué de respect, il me parlait n'importe comment, mais il ne savait pas que l'une des plus grandes autorités de la douane camerounaise, qui était un de mes fils, un de mes enfants, qui se met à genoux, dit « Papa, prie pour moi », qui ne regarde même pas son galon, mais qui croit au Dieu dont je suis le serviteur. Il y a des gens qui utilisent leur position, là, ils se disent qu'ils ne vont pas mourir, non, pour piétiner les autres. Il faut faire attention, mes amis. C'est Dieu qui élève. Même si Dieu vous donne quel genre d'élévation dans cette vie, honorez Dieu. Respectez Dieu, respectez la parole de Dieu. C'est important que les gens comprennent cela. Donc, mes amis, bonne arrivée, mes gars. Donc, mes amis, nous devons être humbles dans cette vie. Soyons humbles, mes amis, parce que Dieu est fidèle. Donc, c'est là, quand il m'amène la direction générale, c'est son patron qui appelle pour dire que, qu'est-ce qui t'arrive? Ton problème, c'est quoi? Et c'est toi qui as arrêté le prophète quand il fait, il dit oui. Le patron dit, ah, libère-le immédiatement. C'est-à-dire, mon enfant spirituel a appelé la ville, la douane, la direction de la douane où j'étais. Il a grondé. Et le patron de cette direction a appelé aussi un capitaine de la douane qu'il y a un monsieur, un prophète là. Et quand le Ferdinand allait libérer sa voiture, ma voiture n'a aucun problème. Quand je pars maintenant, ce douanier, il vient, il demande à son ami, pardon, demande au prophète, mais tu veux au moins de transport pour que je rentre. Je lui ai simplement dit une chose. J'ai dit, mon ami, je lui ai donné le dossier de ma voiture. Tu as vu la marque de la voiture, tu as vu le nom sur la carte grise. Ça devrait te faire comprendre que cet homme de Dieu-ci là, ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un aventurier qu'il a quand même un certain respect. Et tu devrais parler avec considération. Je t'ai même parlé en patois.
Tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai pris un billet de demi-déchiré, je ne sais pas si le numéro était tellement complet là. J'ai dit, oh, débrouille-toi avec ça. Je dis que dans la vie, ne méprisez pas les gens. Ce n'est pas parce que je ne suis pas douanier. Parce que tu ne sais pas chez qui je mange. Tu ne sais pas qui est mon. Tu ne peux pas savoir si même le directeur de la douane, c'est quelqu'un que je connais, c'est mon oncle ou bien mon cousin. Ou tu ne peux pas savoir. Il faut faire attention. Soyons humbles dans la vie, mes amis. À l'époque, je travaillais dans un supermarché. Dans ce supermarché, il y a un vieux papa, je n'ai jamais oublié l'affaire-ci. Je n'oublierai jamais cette histoire. Il y a un vieux papa qui était là, il était dans les rayons, la main derrière. Il regardait les marchandises. Il a porté une ou deux, trois marchandises. Il est venu à la caisse. À l'époque, je travaillais comme surveillant des caissiers. Donc, j'étais assis derrière le caissier. Il y avait le surveillant du magasin. Le gestionnaire, on l'appelait le gestionnaire. Le papa arrive, il demande, est-ce que je peux payer avec une carte bancaire? C'était ça sa question. Le caissier dit non, attendez, je vais demander au gestionnaire. Quand on dit au gestionnaire, le gestionnaire arrive, il dit oui monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le papa dit, est-ce que je peux payer avec la carte bancaire? Il dit, vous voulez montrer que vous êtes plus riche que qui ici? Hein? Parce que vous partez en Europe, donc, et vous pensez que c'est partout qu'on utilise les cartes bancaires, qu'on vous dit quoi? Nous, on n'a pas de carte bancaire, donc vous êtes les riches. Hein? Il s'est mis à insulter le père. Le père lui dit, s'il vous plaît monsieur, j'ai simplement demandé, si vous ne payez pas les cartes bancaires, je vais payer avec le cash. Il dit, ah non, on s'en fout. Pourquoi d'abord vous présenter les cartes bancaires? Pourquoi? Le monsieur dit, pardon, ne me criez pas dessus. Oh, je crie. Vous allez faire quoi? Allez, dis-moi à Paul Biya. Quand il a fait ça, le monsieur était calme. Le monsieur le calmait. Il n'a pas voulu se calmer. Il grondait le monsieur. Oh, arrêtez ça. Oh, ça veut dire quoi? Et donc, le monsieur a décalé. Le monsieur se fait comme ça. D'accord. Il a fait comme ça là. Il y a des gens en civil, armés avec les pistolets, les PA, qui sont venus. Ils ont emballé notre gestionnaire. On l'a attaché. C'était à Nick et Sos. Ceux qui travaillent, Nick, ils savent l'histoire, connaissent l'histoire-ci. On l'a attaché comme le lapin, qu'on peut faire le minchoui avec. On a attaché ses mains avec ses pieds réunis par derrière. On a ouvert la malle. Il parlait à un général de ce pays. C'était un général de l'armée camerounaise. Le général dit, mettez-le dans la malle. On a attaché, on a mis dans la malle, on a fermé la malle. Il a le temps qu'il prie, pardon, je vous en prie. Pardonnez-moi, pardonnez la police, votre fils. Le général dit, mettez-le dans la malle. On a fermé, on a attaché la malle. Les demandes de pardon, les confessions du péché dans la malle. Il a fallu qu'on insiste, qu'on demande pardon au général, qu'on supplie. Il a l'amené, on le jette en prison. Ne jugez pas les gens à l'apparence. Ce n'est pas bon. Tu ne sais pas qui est qui dans cette vie-ci. Tu vois quelqu'un là, haut comme ça. Je me souviens que j'avais reçu une jeune fille à l'époque dans mon bureau. Ça fait des années, en 2017. Je l'ai reçue comme ça, on parlait. Une jeune fille mince comme ça. C'est en 2018, quelle année là? Ah, c'est qui? C'était la fille de l'un des ministres les plus puissants au Cameroun. Il faut faire attention dans cette vie. Donc, soyons prudents. Soyez prudents. Je ne demande pas l'argent sur Internet. Il y a plus de 100 faux profils égales Ferdinand sur Internet, sur Facebook. Donc méfions-nous, soyons prudents. Tous ceux qui vous demandent l'argent, j'ai dit à papa Tony Silassi que mon père, si quelqu'un peut penser que moi, prophète égales Ferdinand, et son enfant là disait que le égales Ferdinand là existe, pour demander c'est 10 euros, c'est combien d'euros, t'envoies l'argent de lui, non, envoie l'argent de mouchoir. J'ai dit, mais il y a quand même des choses que, quand tu vois un homme de Dieu opérer, tu vois la dimension que Dieu l'a mené, tu sais qu'il ne peut pas faire certaines choses. Donc moi, on s'imagine que j'appelle quelqu'un pour 10 euros, de moi-même c'est 1000 euros. Que Dieu non. J'ai dit à papa Tony, que Dieu m'a béni dans mon pays. Je suis parmi les hommes de Dieu les plus bénis au Cameroun. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Dieu nous a fait grâce, mes amis. Non. Donc voilà, bien-aimés, soyons très très vigilants. Ceux qui vous demandent l'argent sur Internet, ce n'est pas moi. Donc, j'ai dit merci à la France. Je reviens le 31. On va faire le 31 décembre ensemble. Quelqu'un vous demande l'argent. Pour quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Dites-lui que c'est un an. Attrapez-le même, attachez-le. On va le livrer à la police. C'est un bandit. Nous sommes vigilants. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Il y a mon bien-aimé, Arsène Kapto qui est là. Je veux parler avec lui. Donc, ce n'est pas nous, mes amis. Les gens qui nous ont demandé l'argent la nuit de prière, ou à côté, lorsque on devait avoir notre conférence de partenaires, il y a mon équipe officielle qui prenait les contributions à l'entrée de la salle. Maman Bema, Maman Georgette.
Mais c'était mal organisé. J'ai demandé à tout le monde d'entrer. On a pris les contributions après, à l'intérieur. De l'autre équipe qui était dehors, qui si ce n'était pas Maman Bema ou Maman Georgette, ce n'était pas mon équipe. Donc que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. J'ai hâte de vous retrouver ce 31 décembre. Alors, passons une très belle journée et merci à tous ceux qui m'ont donné les cadeaux, à tous ceux qui se sont mobilisés. C'est énorme. Quelqu'un te donne le cadeau dans cette génération, mais la personne t'aime. La personne t'aime. Donc je vous dis merci de tout mon cœur, la main sur le cœur. Je vous aime. Dieu bénit. Tous ceux qui ont donné les cadeaux à Jemima, elle était contente. Elle n'a pas presque dormi cette nuit. Elle était tellement émerveillée. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime aussi. Shalom. Bye.